on parlait un peu de fiscalité. Fiscalité un petit peu spécialisée, vous me direz, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de snowbirds qui nous écoutent. Même il y a des gens qui nous écrivent de la Floride qui sont pas revenus encore au Québec et qui risquent peut-être d'avoir des problèmes parce que il y a quand même quelques documents que vous devrez vous procurer, remplir et envoyer à l'IRS aux États-Unis ou à d'autres organismes à compter du 1er juin prochain. Maître Shlomi Sleeves-Levy, qui est associé au cabinet Altro-Levy, est avec nous. Maître Levy, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors c'est sûr et certain que nous sommes dans la pleine saison des impôts. Il y a plein de choses qu'il faut tenir compte, les revenus américains, entre autres, oui. Parce qu'on a des revenus là-bas, surtout. Les revenus de location. Absolument. Bien, évidemment, de plus en plus, avec la crise qu'il y a eu aux États-Unis, la crise immobilière, le dollar qui était assez élevé, on a vu une augmentation des acquisitions par des Canadiens, des gens qui achetaient des parcs immobiliers, 5, 10, 15 unités, pour les faire louer. Mm-hmm. Et donc là, c'est le temps de faire les rapports d'impôts, des revenus pour l'année fiscale 2013. Et là, le jeu commence. Comment s'assurer que les impôts payés aux États-Unis soient rapportés comme crédit d'impôt au Canada? Et donc, c'est là où le jeu des structures entre en jeu. Est-ce qu'on détient la structure, la propriété dans la bonne structure qui permet ce jeu de crédit d'impôt, etc. Et là, la date aux États-Unis, c'est le 14 avril. Mais en tant que Canadien, on a automatiquement une extension au 15 juin 2014. Un peu comme ici, là, c'est pour ça. Travailleurs autonomes. Exactement. Même chose. Exactement. Et ce que ça fait, c'est que là, on va avoir l'opportunité de faire son rapport d'impôt canadien, établir ses revenus. Et ensuite de ça, s'en aller vers les États-Unis et faire les rapports d'impôts là-bas plus tard. C'est sûr que nous, nos recommandations sont de faites vos rapports d'impôts aux États-Unis au 15 avril pour pouvoir aller chercher les crédits d'impôts et pouvoir les utiliser. Et là, faire vos rapports d'impôts au Québec le 30 avril habituellement, mais avec ce qui s'est passé, il y a une petite extension. On est chanceux cette année, il y a le 5 mai. Et particulièrement pour... les revenus imposables, il y en a peut-être deux principaux là, qui risquent d'arriver pour les Québécois qui vont aux États-Unis. Revenus de location, puis en plus, ici, on est obligé de remplir le T1135. C'est ça. Hein, pour les biens étrangers. Exactement. Surtout si c'est du bien locatif, si c'est pour personnel, pour besoin de l'inclure. Ça fait partie de l'exemption. Justement. Ça fait partie de l'exemption. Mais si on ne les déclare pas, ces revenus-là, on risque de faire taper ces lois, non seulement ici, mais aux États-Unis. Bien, surtout aux États-Unis. Je ouais, chez nous, ça risque de faire mal, ça rapporte. Exactement, mais je veux dire, la règle en général dans le monde de la fiscalité, c'est qu'on doit déclarer le revenu là où il est généré en premier. Vu que votre revenu est généré aux États-Unis, il faut qu'il soit déclaré là-bas. Vous savez, j'aime toujours dire ça à mes clients, Al Capone, le FBI n'a pas réussi à mettre la main dessus, mais le IRS, oui. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir à dealer avec le IRS au niveau d'évasion fiscale. Et c'est sûr qu'au niveau des types de revenus qu'un Québécois ou un Canadien va avoir, c'est revenu locatif, revenu d'un emploi. Tout récemment, j'ai entendu dire qu'il y a un Québécois qui a gagné sur le circuit de poker. Donc, il va avoir à dealer avec ça aussi au niveau des gains. Et évidemment, toute la question qui relate au séjour des Canadiens aux États-Unis, qui dépasse un certain nombre de jours. Et si jamais on dépasse, comme vous le savez, plus de 183 jours de séjour aux États-Unis basés sur le test, ben là, on pourrait se retrouver à être taxé sur nos avoirs mondiaux aux États-Unis aussi. Alors, donc, il y a plusieurs aspects qu'il faut regarder et garder à l'œil, surtout pour ceux qui passent un nombre de jours aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de courriels, certains qui ont eu peur. D'autres qui sont montrés sceptiques. J'ai jamais eu besoin de le faire. C'est pas parce qu'on n'a jamais eu besoin de le faire qu'il ne faut plus le faire maintenant. C'est-à-dire que là, c'est rendu obligatoire. Puis le 1er juin, le passeport va servir de test lui-même. C'est ça. C'est ça qui est le problème. En fait, les gens doivent... J'ai eu la même conversation avec une cliente hier. C'est-tu nouveau, le 8840? Et la réponse est non. Ça existe depuis la mise en place du protocole. Sauf que il y a beaucoup plus d'informations qui circulent à ce sujet, beaucoup plus d'importance qui est donnée à ce sujet. Et là, c'est dans notre quotidien, ça fait partie de notre quotidien. On ne peut pas ignorer cette application-là si on ne veut pas surtout être assujetti à de la fiscalité américaine. Et je pense que ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'omission de faire ce rapport du 8840 emmène avec lui des pénalités en argent.
Et comme vous le disiez, le 1er juin, le passeport va devenir un peu la carte de visite de tout le monde. Les entrées, les sorties vont être retenues et échangées, on espère, des deux côtés de la frontière. Oui, parce que là, je suis allé chercher le fameux formulaire 8840, parce qu'on l'appelle « Closer Connection Exception Statement for Aliens ». Et ça, quand on regarde, moi, ce que je retiens, là, c'est le dernier, Aliens, donc la formule d'étranger. C'est ça. Si on ne le fait pas, c'est le passeport qu'on va se mettre à taxer et c'est plus l'individu ou les revenus, là, c'est tout. Là. À mon avis, le passeport, comme je l'ai dit, va servir vraiment de carte d'identité, carte de visite. Et là, ça va être de plus en plus facile avec toutes les règles mises en place pour tracer les allées, les venues et les départs surtout. On va être en sorte, ça va faire en sorte que on va être des cibles assez marquantes et flagrantes si on ne se conforme pas aux règles fiscales. Oui, parce que là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la frontière, c'est-à-dire la douane, sera directement connectée avec l'IRS aux États-Unis et vice-versa. Alors, donc... avec plusieurs services, ouais, dont le IRS, ça. Exactement. Oui, mais je pense que c'est celui-là le principal dont on doit parler ce matin, parce que ça a une incidence directement sur nos vies. Oui, et le Closer Connection, tout ce qu'il dit, en fait, c'est on veut que les Américains sachent que même si on séjourne puis on investit dans leur pays, on veut maintenir une relation proche avec le Canada au niveau fiscal. Mm-hmm. Parce que dans plusieurs cas, lorsqu'on devient résident fiscal américain, il y a des embûches et des embuscades au niveau de certains aspects qui sont taxables aux États-Unis, qui ne sont pas au Canada. Mm-hmm. La question des REER, la question des bénéfices non répartis des compagnies, etc., qui pourraient être problématiques. Et là, on sort du sphère de la non-double imposition et on tomberait possiblement dans une double imposition entre les deux pays, ce qui est contraire un peu à la volonté du traité et de la vision des économistes des deux côtés de la frontière. Revenu d'emploi. Le revenu d'emploi, lui, va dépendre du statut de la personne. Si la personne a un simple visa qui n'a pas déclaré de départ du Canada, ce revenu d'emploi va être taxé des deux côtés de la frontière avec un jeu de crédit d'impôt. Mm-hmm. La plupart du temps, lorsque nous travaillons avec des Québécois qui ont quitté ou qui travaillent à temps plein aux États-Unis, on s'assure d'avoir un départ du Canada pour que cet argent-là soit imposé qu'aux États-Unis, là où il y a certains avantages fiscaux à se faire imposer d'un côté de la frontière, où les taux d'imposition personnelle sont beaucoup plus bas. Choisissons donc celui qui coûte le moins cher. Ouais, exactement. C'est l'objectif, en fait. Effectivement. Ben, Clévy, merci beaucoup encore une fois. À un moment donné,